Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ce petit let's play d'Horizon Zero Dawn. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera seulement quelques épisodes et ils seront relativement courts, une trentaine de minutes maximum par épisode. Ça ne va pas devenir la nouvelle saga, la nouvelle série de la chaîne, c'est juste quelques épisodes découvertes dans lesquels on va réaliser la quête principale uniquement. Je vais essayer de ne pas trop m'égarer, ce ne sera pas une analyse précise, profonde, détaillée du jeu, ce sera simplement un petit let's play à la cool, une sorte de découverte ensemble, sans prise de tête, sans se poser de questions. Donc n'hésitez pas à partager, lâcher un petit pouce bleu, donner votre avis ou vos conseils par rapport au jeu, pourquoi pas, mais aussi par rapport au let's play de manière générale. Je vous souhaite un bon visionnage à tous, profitez bien en ma compagnie et j'espère que vous kifferez ce nouveau jeu Horizon Zero Dawn. C'est parti! C'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. Rost, il a pris de la bouteille, hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Tu connais un peu genre Goroth Krovi? Moi? Ce qu'il faut faire dessus et tout? Non, le mec avec qui je vais jouer. Ouais, non. Merde. Bon, bah, ma foi. On va lancer autre chose. C'est quoi ça, livre de cuisine de Newton? Il y a autre chose gratuit. Que tu veux que je fasse dans les trains? C'est plutôt pas mal. Oh. Gratta la fêlée ne doit plus avoir. Ah, très bien. Tu pourrais lui chasser un peu de viande. Ok, d'accord. Ce qui serait bien, c'est qu'elle... Oh, Gratta suit le règlement. Pas assez de double gomme. Très bien. Bon. Par contre, moi, ça pour vous, t'es un double gomme. Ouvrir le menu des quêtes. Normal des quêtes, parler à Gratta. Gratta Keka? Gratta Kate. Comment on invite un copain? Toujours, Eh, des tyroliennes. Je te rejoins moi. Je crois que t'es meilleur que moi. Les gars, il y a des tyroliennes. Tu veux que je t'envoie une photo de ma jambe, je te montre à quel point elle est belle. Montre ma tyrolienne. Comment tu veux faire Kemat? Vas-y, ce que tu veux, Gégab. Sauf Shadow. Tu me gardes ici? Ouais, Shadow, c'est quand ça. De toute ma vie, je ne suis jamais... Le fait d'allumer le feu de camp, ça suffit à faire les sauvegardes? Ouais, le triangle, ça fait sauvegarde rapide. Ah ok, d'accord. J'aurai mes réponses. Je prends l'arc du tonnerre. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejeté à la naissance. Il n'y a pas de tonnerre ni rien sur Goroth Krovi. C'est normal, on n'a pas lancé Goroth Krovi. Ah ok. D'abord trouver un troupeau. Et non, c'est parce qu'en fait le loup, je sais plus comment on le fait. Hop. Moi je vais juste faire l'éclair aussi. Ah ouais. C'est un peu dans la merde. C'est bien, c'est sympa, il va être cool la game. Waouh. Le cœur de la mer. Dans deux jours. Je saurais enfin à quoi ça ressemble. Tant de gens au même endroit. Vous êtes pas chaud d'un secret, franchement. Est-ce que lui, c'est un méchant? Le dimanche soir, c'est le moment. J'y convaincrai. Allez, j'arriverai pas. Ils veulent plus jouer avec nous. Ils ont trop changé. Mais j'ai pas envie de voir un zombie, gros. Bah, quand tu as King, t'as envie de les faire, tes zombies. Mais il y avait cet avant que moi j'ai mon jeu là. Moi je trouve qu'il y a une grosse crise de jalousie quand même. Erreur, d'accord, très bien, merci. On est en train d'attaquer un football club, ce soir il y a Marseille-Paris, non? Non? Bah lâchez le mec. Killer, t'es pas chaud toi? On sait un peu les balles. Alors toi, du coup, je peux aller. Allez, au raison, c'est de la merde. Le galopeur? Ou alors je vais. Me lâche chien. Parler à Karst. Attendez. Je vais aller dans un site de galopeur. Non, mais faut être trop furtif, laisse tomber. Bah, c'est ça le problème, on va me demander d'être furtif. Et là, c'est le moment où je veux savoir si ça va me saouler ou pas, t'as vu? Voilà, c'est ça, viens, zombie. Mais si, mais non, mais des fois, faut que tu sois furtif pour attraper des animaux, tu vois. Oh,
Merde, je voulais pas t'inviter. Je vois pas. Attends, moi j'ai dû relancer mon jeu, moi. D'accord, très bien. Ok, d'accord. La tête de ma mère, après je vais regarder un tuto comment ouvrir la play, parce que là c'est en train de me gaver. Mais genre ça, elle fait un bruit bizarre. Le seul truc, c'est qu'il faut un tournevis de ça en étoile. Bah, j'ai une boîte à outils avec tout. Je sais pas si ça en est dedans, mais. J'ai un Bob le bricoleur. J'ai une boîte à outils quoi, avec tous les trucs de tournevis. Ça t'inspire Bob le bricoleur là. T'inquiète. Dans les boîtes à outils normales, tu l'as ton tournevis que tu me dis là, non? Non. C'est assez. Laissez par le haut peut-être. Vas-y, ça. Bah, faut que j'aille acheter un tournevis, ça veut dire. On est obligé de revenir sur la map à chaque fois pour voir l'objectif? Ouais. Et ouais. Non. Viens. On peut pas mettre genre un repère. Si, tu veux croire sur ton truc? Ah ouais, exact. Pourquoi tu m'as rejoint? Ah, je sais pas. Bah non, va-t'en. Mais quand moi j'ai lancé, ça crache, peut-être qu'avec toi ça crachera pas. Ah. Ça fait 300 ans que j'ai pas fait de jeu. Voilà. J'en ai fait un dimanche dernier sur Révélation. Ah oui, la map que t'as pas fait. Ouais, j'ai fait 30 manches, l'air de rien. Ça va, ça va. T'as fait un zombie le week-end dernier? Ouais. Et quand t'es à la maison, après une cuite, et ben j'ai lancé. J'ai amélioré l'arme et tout. Il a pas le temps. Quand t'allumes un feu de camp, ça... Ah ouais, ça annule les galopeurs. Eh bien... T'as fait chier, elle va kiffer, puis on va pas jouer. Ouais. Killer bah, ouais. Toi, tu m'as l'air chaud d'un zombie, toi. Ouais, la rouquinade. Un zombie sur quoi? Bah sur le zombie. Et bon, un 3 En fait, Killer, il a plus de console, c'est un peu un clodo. BO3 J'ai passé bah ouais. Le test. Je suis désolé, j'ai une mise à jour de 15 gigas. C'est une blague. Et faut aller chercher un tournevis pour sortir mon save du coup, non, la flemme. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, t'en penses quoi, Jicab? Je suis outré. Voilà. Tu l'as outré. Hein. Excuse-toi. Excuse-toi, tu l'as outré. Putain, c'est incroyable. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Problème. Oh, gros problème. Pas bobo. Je vais les éviter pour l'instant. Vas-y, si tu vois. Est-ce qu'il passe les ponts? Ça va, Scam, ça se passe bien. Rap un peu fonce d'art. On peut les tuer quand on est. Ben, j'ai plus aucun swag en zombie. Jacob, attention! J'ai qu'un billet de toilette! Qu'est-ce que je suis drôle comme mec. C'est un truc de ouf. Arrête pas le showman. Bon, du coup, je vais allumer mon encens. Donc, yes! T'as pas lancé le français de feu aujourd'hui? Oui, c'est bon. Je peux monter le thème à prendre en plus. Oh, ils sont hyper puissants en fait. Je suis un peu un mec high tech. Ah ouais. Je suis un mec high tech. On a plus de munitions, on fait comment? On fabrique.
combien? R1. Reste appuyé sur R1 et tu peux en fabriquer. Je me sens mieux. Tu vas sur la munition que tu veux et puis... ça donne des coups d'épée perso. L1, pardon. Vous entendez pas la musique, c'est bon? Non, ça va. Ah ouais, mais faut que je récupère des trucs au sol, ok. Ce serait vraiment bien s'il me cherchait pas. Ok, viens me gâter. Mais il écoute du gros PNL. T'as entendu? Et... Ouais. Je t'entends vite fait. Je reviens. J'ai plus une mine, donc il va falloir vraiment que je me trouve de quoi me faire des armes. J'ai Cam. Oui. Il me faut du bois. Et alors? Bah il me faut du bois. Je suis pas bûcheron. Hein. C'est le genre de truc où t'as vite fait de pas suivre l'objectif quand même ce jeu. T'as vite fait de quoi? De pas suivre l'objectif. Ah tu sauras vite en couille hein. Ah ouais ouais tu craques vite quand même. Ça ne peut pas être qu'une seule machine. On va quand même reprendre la map et on va mettre un plan parce que je me suis un petit peu égarée quand même, frère. Vous pouvez la flambée des éclats. Ouais. Mais c'est un site de galopeurs. Non, t'as fini le dragon là? Bah attends, je le nourris. On va la faire en furtivité vu qu'on a plus de munitions. Non, même pas. Pour faire des munitions, faut que tu cueilles des arbres et des. Et que tu tues des machines. Ouais mais en fait pour faire des flèches de chasseurs il me demande Ah ok, je viens de capter Deck. Yeah, je viens de capter. Là j'ai des munitions. Non j'ai pas de munitions. Mais le corps. On t'oublie pas, on te remplace. Comment on change d'arme? Ah ça doit être L1, comme L1, ça. L1 pareil. Ok. Tout se fait avec L1 au niveau des armes de toute façon. Oh les gars. Je est-ce que ça rapporte quelque chose de tuer les petits animaux style les lapins et tout? Ouais tu peux revendre après les peaux et tout. Ça aide un petit peu, c'est pas non plus un truc de ouf. Un truc de ouf, ouais. Bon. L'idée, c'est que je trouve le site. Le problème, c'est qu'on est dans un truc de galopeur. Donc. On fait peut-être les pièces du bouclier là. Là on fait peut-être les pièces du bouclier là. Ouais, on va les prendre. J'ai activé le chose là. Je te le dis. Quand je sors, j'ai un 30 balles sous le chibre. Oh, il y a une dame qui était morte dans les rochers. Énorme. Vous entendez la musique de merde là? Enfin même pas trop, ok. Gueule. T'as encore un pote? Ah ouais, quand t'en tues un, ça alerte tous les autres. Le bâtard. Elle se gavait ma pote. Oh le bad. Oh
One shot, mon gars, one shot. Un temps pour fouiller les animaux ou au bout d'un moment ça part? Ça j'ai pas trop fait attention, je vais pas te mentir. Ok. J'ai flippé de ouf, il y a un truc qui m'est arrivé dessus, je l'ai pas senti arriver. J'ai flippé comme jamais, vous savez pas vous. Flippé comme Jaja. Il est où le zombie? T'es derrière moi, il va pas tarder à spawn, je crois. Je l'ai pas, hein. Je sais pas où il est. Mais... les environs. Alors. Où? Bah je sais pas où il est. Il est pas avec toi là? Bah non. À moins qu'il soit. Ah bah il est là, galère, il est là. Je vois, il traîne les pieds. Ok. Bien le but. Bien saoulé. Que j'arrive pas à trouver, comment je peux le trouver? Ça peut zoomer ou pas ça? Pas zoomer. Trouver de la flambée et des éclats. Je vais re-télécharger Rise of the Tomb Raider moi. Me servir. Les clés de métal, j'en ai, mais de la flambée, où est-ce que je peux en trouver? Yo? Où est-ce que je peux trouver de la flambée? Sur les machines, je crois. Quand tu tues une machine, t'as de la flambée. Ah, un galopeur. Hein? En gros, il me faut des galopeurs. Ouais, il faut. Ouais, bah pour l'instant, t'as que des galopeurs, après, c'est sur toutes les machines. J'en ai, ouais, bien joué. Non, mais en fait, je tape dans un zombie, ça en fait gicler 4, gros. Ah ouais, c'est chaud. Moi, j'ai bientôt fini. Là. Une fois que j'ai fait cette quête, je peux partir. Ok. C'est-à-dire quoi le truc vert là? C'est un truc que genre je peux aller voir.
Il m'a fait bad et il a même pas mangé. Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis poursuivi par des veilleurs et tout, mon gars. Je prends le temps de taper la tchatche avec le voisin. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme, incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé? Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. En fait, faut valider toutes les réponses. Aussi, c'est à chaque fois. Une charognarde toute seule. T'as dit quoi? C'est ma faute. À chaque fois, tu sais, dans la roue des c'est réponses. Moi qui l'a traqué. Faut activer toutes les réponses. Non, ça c'est si tu veux savoir l'histoire. Je m'en suis sorti. Sinon, tu fais celle avec le petit logo là qui te fait quitter en fait. Elle avait été fabriquée par Edena. Comment c'est les arcs, ma compagne, hein. Qui est morte. Je ferai ce que je peux pour retenir. Il faut que tu la sauves. Essaye de faire le loup, frère. Okay. Après, de toute façon, j'en fous. J'imagine, tu fais l'éclair, moi, je sais pas lequel je vais faire, moi. Genre, vous faites les arcs, genre, vous jouez à des jeux qui datent d'il y a 10 ans. C'est pareil. Va lire tes ouais. Guillemets. Non, vous avez pas Horizon, vous êtes à la rue, en fait. Dites-elle, ça qui voulait la vendre. Tu fais cueillir des fleurs comme dans Far Cry Primal, mon gars. Mais là, tu t'en penses quoi, du coup, maintenant? Parce que là, t'étais vénère au début, là. J'aime bien me balader et ramasser des feuilles. Bien. J'ai eu une nouvelle quête. Mais est-ce que... Comment on suit la quête seconde... La quête principale, c'est quoi? C'est les... Les trucs en vert, j'imagine que c'est les quêtes secondaires. Je sais pas, moi je fais pas trop avec la carte. Ah oui, d'accord. Sur les pas de la mer, trouver Arana. Ça c'est secondaire et ça doit être principal en jaune. Ok, on va suivre le principal quand même. Secondaire, on fera plus tard. En fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu peux y aller bourrin. Les trucs, tu t'es pas obligé de. C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis. Au secours, s'il vous plaît! Je suis coincée ici! Il y a une fille qui m'appelle et je vois pas où elle est. Derrière toi. Ça fait un petit point d'exclamation en haut, tu vois, t'as, en haut t'as une barre. Ouais. Bah normalement si tu tournes t'as un point d'exclamation vert quelque part sur la carte. Non, ils vont dans l'eau, les trucs! Oh, le bad!
T'es en train de combattre une machine. Je sais pas si je t'envoie un screen ou pas pour que t'hallucines un peu. Et dis-toi que j'aurais pu me barrer, mais je suis en train de la combattre avec Nar. Oh, je suis mort. Non, je vais prendre un screen, je suis mort. Je dois être hors de danger. Oh, MG, le spoil. Lui la machine que je combats. Choqué, déçu. Toi Yoda. Je suis spoil. Je suis tristesse Yoda. Ouais non. Elle est énorme mon pote. J'ai envie de la défoncer, elle va me tuer là, mais je crois que je vais recommencer, j'y retourne. Attends, pas bien. J'étais parti pour faire la quête principale et là il y a une meuf qui m'a appelé. Je suis coincée ici. J'ai besoin d'aide. Je peux pas descendre. Au secours, s'il vous plaît. Au secours, s'il vous plaît. Je suis encerclée. Est-ce que si on se met en hauteur, les trucs ils viennent en hauteur? C'est l'ambiance. Oh grave, en fait, suffisait juste que je me l'efface. Bah ouais, je suis bête. Non, ça a planté. C'est le genre de jeu où t'as vite fait de sortir des quêtes principales. Bah oui, je défonce tout, moi. Ouais, il y a moyen. Je peux te parler, s'il te plaît. Elles ont des niveaux, les quêtes secondaires, je sais pas si t'as vu, hein, y a des niveaux de difficulté par rapport à ton niveau à toi. Merci. Ton père m'a envoyé te chercher. Je sais. Mais je... Là, je m'attaque à un truc c'est un peu gros, je pense, mais bon. Va Fuck. Voir ton père. Il sait pas. Oh, non. Ok, bon, j'ai sauvé sa nana, là. Enfin, sa fille. Et donc, on va pouvoir rejoindre la quête principale. Et cette fois, on s'éloigne pas de l'objectif.